22 boîtes. 22 gains. De 1 centime d'euro à 500 000 euros. 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Apprendre ou à laisser. Nous avons magnifiquement démarré la semaine. Je vous présente Eléa, elle est toute fine et pourtant elle pèse 250 000 euros. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a pleuré hier, hein? Ouais, je suis toujours pas remise, mais ça va le faire. 250 000 ouais, euros que vous avez partagé avec un téléspectateur qui est peut-être encore devant sa télévision et qui se dit merci mademoiselle. Hein. De rien. Peut-être qu'on vous les présentera, les gagnants, parce que c'est un peu grâce à vous. Je rappelle que vous qui nous regardez au 3281 ou par SMS en tapant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre prochain candidat. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de chance. Un mot pour vos amis, nous allons démarrer cette nouvelle partie. Bah, je suis triste de vous quitter. Mais contente d'avoir gagné et je vous souhaite la même chose. Il faut y aller, hein. Au revoir, mademoiselle. Je peux avoir un petit bisou quand même pour la route. Merci, Eléa. On va tout de suite faire connaissance avec votre remplaçante du Pays de la Loire. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre prénom? Je m'appelle Cécile. Cécile, et vous faites quoi dans la vie? Alors, je travaillais dans le tourisme et là, je viens de reprendre mes études pour devenir moniteur éducateur. Très bien. Ouais. Ça n'a rien à voir. Absolument. Je vous offre une boîte de jeux. Apprendre ou à laisser. Ah, vous la prenez? Ah bah oui, merci. Entraînez-vous merci. En famille. Vous êtes marié, fiancé? Absolument pas. Vous êtes célibataire? Célibataire. Mais vraiment, vraiment? J'en ai bien peur, oui. Soyez la bienvenue. J'ai oublié merci. Votre prénom. Cécile. D'accord. Vous appelez comment? Cécile. Cécile. Et vous êtes? Blonde. Voici la question sélection. Hier, nous avons gagné 250 000 euros. Et comme nous sommes joueurs, ce soir, nous avons décidé une fois de plus de vous enrichir, car la question sélection ne vaut pas 10 000 euros par bonne réponse, mais 30 000 euros. Ce qui veut dire que si vous me donnez 22 bonnes réponses, la boîte Joker vaudra 660 000 euros. Concentrez-vous. Comment appelle-t-on les habitants de Beuvry dans le Pas-de-Calais? A, les ivrognes. B, les beuvrigeois. C, les bois sans soif. 22 bonnes réponses à mon signal. Répondez. Bonne chance. La bonne réponse était les beuvrigeois, bien sûr. Et il y a... Il y a 21 bonnes réponses, la boîte Joker vaut donc 630 000 euros, c'est énorme, près de 4 millions de francs. Computer, qui m'accompagne ce soir? Bonne chance à toutes et tous, il s'agit de la région... La Champagne-Ardenne! Magnifique champenoise qui va venir nous rejoindre. Elle s'appelle Emmanuelle, voici un joli portrait et dans un instant... C'est Cécile qu'elle va tenter le grand lot. Cette photo est exceptionnelle car Emmanuelle dort. Et oui, cette jeune femme est une vraie pile électrique. Née à Reims, elle a dû tomber dans le champagne étant petite car elle a un tempérament de tous les diables. Emmanuelle adore le sport. Elle est attachée de presse d'un club de foot. En revanche, le ski, c'est pas vraiment ça. Quand elle ne travaille pas, Emmanuelle fait du shopping. Seule ou avec des copines, elle dévalise les magasins. Si elle gagne, elle en fait profiter toute sa famille. Mais surtout, elle s'offre 2 semaines de vraies vacances très très loin. Bon courage Emmanuelle. Mesdames et messieurs, accueillons Emmanuelle. Très cher. En forme, je vous en prie, asseyez-vous. On vous avait pas beaucoup vu derrière le public, mais en fait, vous êtes une bombe, hein. Merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Allez, détendez-vous, là, détendez-vous. Ce n'est que de la télévision. Il y a quoi, 6 millions de gens qui vous regardent, il n'y a pas voilà. De quoi stresser. Donc, bonsoir, je m'appelle Emmanuel, j'ai 30 J'adore ans. J'adore ce prénom. Avec Jean-Louis, on a loué un DVD. Hein? Ben, c'est à cause de ça. C'est pas vrai? Si. C'est à cause de ça que vos parents vous ont appelé? Mon père est allé voir le film, il est rentré, il a dit à ma mère, ce sera Emmanuel. Et votre petit frère, il s'appelle comment, Rocco? Non, pas du tout.
Regardez cet écran, ce soir nous sommes gâtés puisque depuis quelques jours nous avons rajouté la boîte à 150 000 euros et ce soir c'est la boîte Joker à 630 000 euros. Regardez, c'est un peu le paradis. Ces boîtes ont été réparties de main de maître par notre huissier, Jean-Louis. Bonsoir Arthur. Jean-Louis. Bonsoir Emmanuel. Tout de vert vêtu comme madame, tout pistache. En brocoli, pistache. Absolument, pistache, c'est très beau. 100% hasard et peut-être 100% bonheur, car c'est au hasard que j'ai réparti ces 22 sommes dans ces 22 boîtes. J'espère. Et bien entendu, notre animateur ce soir, Arthur, ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. 32,81 ou par SMS en envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre candidate. Et ce soir, je sens qu'on va gagner beaucoup d'argent. 6 boîtes avant le premier coup de fil du banquier, bonne chance. Je vais commencer par la numéro 18, Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon. Bonsoir Arthur. Ouvrez-moi cette boîte. 30 000 euros. Et ça commence. La 16 Alsace. L'Alsacienne. Ouvrez-moi cette boîte. 20 euros. Merci. J'ai rien fait, moi. Allez, on continue. La basse Normandie, tout de rouge et de satin vêtu. Allez, bonne chance. 100 euros. On y va, vous n'allez pas embrasser les 22 candidats, là, on va finir l'émission à minuit. Je vais embrasser toutes les petites boîtes bleues. Allez, boîte suivante. La numéro 13, Poitou-Charentes. Le vendeur en chemise. Comment ça va, Arthur? Très bien, en pleine forme. Je vais ouvrir la boîte. Un marteau. Allez. Boîte suivante. La candidate Picard. Bonsoir. Ouvrez-moi cette boîte. Oh. 100 000 euros. Bon, bah, d'un autre côté, on a bien démarré, hein. Regardez l'écran. 150, 250, 500 000, 630 000. Commencez pas à être triste ou net. Ouvrez-moi une belle boîte. La numéro 3, Haute-Normandie. Ça va bien? Elle ça est va. De plus en plus sexy. Hein. Elle est arrivée, elle était totalement coincée. Là, maintenant, elle a les cheveux, le décolleté. Donne-lui 2 jours, elle vient en mini-jupe. Ouvre-moi cette boîte. Félicitations. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Hein. J'ai un appel. Du calme. Vous êtes jaloux, votre fiancé? Non. Ah, bah tant mieux. C'est vrai? Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Pardon? Vous êtes de bonne humeur ou quoi? D'accord. 40 000 euros. 40 000 euros pour démarrer cette partie. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais j'ai la chance d'avoir une super belle boîte Joker, donc je vais continuer. D'accord, on continue. C'est vrai que ce soir, en plus des 500 000 euros, il y a 630 000 euros. C'est une belle boîte Joker. Alors vous aussi, 32,80 ou par SMS, en tapant boîte au 6300, vous partagerez les gains d'Emmanuel. C'est vrai que votre surnom, c'est la chèvre. Ok, alors la chèvre, ouvrez-moi 3 boîtes. La 21, Rhône-Alpes. Ouvrez-moi cette boîte. Oui, 250 euros. Allez, on enchaîne. La 4, Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette jupe transparente là que je vois? Vous voyez ici ou pas? Qu'est-ce que c'est? Moi, je vois. Non, pas de caler, montez là sur la table. Je vais rester comme ça, debout. Vous allez ouvrir la boîte, je vais vous donner un coup de main, allez-y.
t'as vu? Et ouais! Bah alors! À centimes d'euros! C'est. Je vous en prie. Pardon pour le pied? Je vous en prie. Je vous en prie. Hop. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je suis en sandwich au milieu de deux bouches. J'adore. Allez, encore du bleu, mademoiselle. Je vais ouvrir la 8 Aquitaine. Allez, on y va. Bonne chance, mon garçon. 25 000 euros. Attention, mademoiselle, on retourne dans le bleu. Ah. 13 boîtes, 8 supérieures à 15 000 euros. Allô. Très bien. Ok, d'accord, je transmets. Première offre, 40 000 euros. Deuxième offre, 10% de plus, 44 000 euros. Et c'est à prendre ou à laisser, mademoiselle Emmanuel. Ah, quand même, hein. 290 000 francs, 44 000 euros à prendre ou à laisser. Regardez l'écran. 2, 4, 6 boîtes supérieures à l'offre du banquier. Les 4 plus belles. Le quartet gagnant, 150, 250, 500, 630 000 euros. C'est encore une belle somme d'argent. Mais j'ai toujours les 4 dernières boîtes. Exactement. Donc je vais continuer. Alors on continue, vous aussi. 32, 81 ou par SMS. En envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains d'Emmanuel. Alors où va-t-on? La numéro 9, Pas-de-Calais. Ouvrez-moi cette boîte. Oui. Bravo, mademoiselle, bravo. C'est comme ça qu'il faut faire. Combien de fois vous allez m'embrasser, vous, ce soir? Allez, régalez-vous. Oh là là. J'en profite, on n'a pas tous les jours l'occasion. Eh oui, allez-y, servez-vous. Hein. Boîte suivante. La numéro 14, la centre. Comment ça va? On a tendance à pas vous regarder souvent dans les yeux et c'est là que ça se passe. Hein. Vous êtes très jolie. Hein. Ouvrez-moi cette boîte. Elle est charmante. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où est mon copain. Vous ne rêvez pas? Regardez votre écran. Il reste à peine une boîte inférieure à 5 000 euros. Et après, il nous reste 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 75 000 et les 4 plus grosses. Vous êtes sûr qu'il est à la maison, votre mec? Mais justement, je ne sais pas. J'espère qu'il est en train de me regarder. Moi, c'est 5 euros qu'on se débarrasse. Allez, qui a 5 euros? La 12 Lorraine. La Lorraine. Vous savez que c'est la fan officielle de Julien Courbet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julien, vous qui l'aimez? Julien, je t'aime. Vous êtes vraiment folle amoureuse de Julien Courbet? C'est un homme charmant, très charmant. Allez, on ouvre la boîte. Vous savez qu'il est marié, Julien Courbet? Je sais, mais bon, moi, l'espoir fait vivre. Oh, allez-y. 75 000 euros. C'est pas le pire, hein. L'essentiel, c'est de garder les 4 plus grosses, hein. Alors. Première offre, 40 000. Deuxième offre, 44 000. Qu'y a-t-il dans cette boîte pour que le banquier nous propose 50 000 euros? 50 000 euros. 330 000 francs. Est-ce qu'on accepte 50 000 euros? Qu'est-ce qu'elle dirait, maman? Maman est pas très téméraire, on va dire. Et papa? Papa, il dirait, vas-y, fonce. En plus, on fait 50-50, donc fonce. Il reste la boîte à 630 000. Ah, vous partagez avec votre papa ce soir? Oui. Eh bien, vous allez aussi partager avec un téléspectateur? Oui, au 3281 ou en tapant boîte au 6300. Bah, allez-y, prenez ma place et moi, je vais jouer. Hein, je vais choisir les numéros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Apprendre ou à laisser? C'est beaucoup d'argent, mais j'ai toujours la boîte, les plus grosses boîtes, donc je continue à tirer. Alors on continue, regardez votre écran, il y a 10 boîtes et ce tirage est historique. Il y a exactement 9 boîtes supérieures à 5 000 euros, c'est un délire. Et regardez les 4 plus grosses, 150 000, 250,
Un demi-million d'euros, 630 000 euros. Écoutez, il suffirait que vous me viriez les 5 euros et on est sûr de repartir avec beaucoup d'argent. Oui. Et si vous virez... Oh là là, imaginez si vous gardez les 4 pour la fin. Oh là là. Allez, on y va. Donc, la Cile de France. Le patineur. Ça va, mon garçon? Vous voulez nous faire une petite démonstration de danse? Ah oui. Allons-nous. Oh non. 150 000 euros. Malheureusement, ce sont les statistiques. On approche, hein. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes. Combien de fois dans sa vie, j'ai l'impression de me répéter, mais je me dois de vous le redire. Combien de fois dans sa vie, nous avons une chance sur 9 de voir 630 000 euros en face de nous? La même probabilité d'avoir 500 000 euros, 250 000 euros. Vous imaginez combien ça fait tout ça? C'est rarissime, je crois que ça n'est jamais arrivé qu'on ait les trois plus grosses boîtes, en plus avec la nouvelle boîte Joker à 630 000. Alors on va tirer un trait sur ce mauvais souvenir des 150. Où va-t-on? Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Limousin, Pays de la Loire, Provence-Alpes, Côte d'Azur. La 6, Franche-Comté. La franc-comtoise. Eh, c'est soirée disco ce soir ou quoi? Arthur. Elle est célibataire, mais elle cherche. Hein. Alors là, elle fait tout pour attirer. Il y a marqué princesse. Alors ma princesse, ouvrez-moi cette boîte et faites-nous rêver. Très bien. Elle est charmante, hein? Oui, charmante. 15 000 euros, je préfère ça. Virez-moi du bleu. Virez-moi du bleu, je vous en supplie. La 5 Limousin. La Limousine. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, mademoiselle. Faites-nous rêver. Oui! Ah non. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boîtes. Six supérieures à 10 000, trois supérieures à 250 000 euros. Qu'y a-t-il dans cette boîte qui porte le chiffre 20? Est-ce que c'est un chiffre porte-bonheur? Pas particulièrement. Réfléchissez bien, parce que le banquier nous propose, et vous l'avez deviné, d'échanger notre boîte. Et c'est bien entendu à prendre ou à laisser. Est-ce que vous pensez que cette boîte vous a porté chance depuis le début de la partie? Oui. Pourtant, vous avez déjà envie de l'échanger. Quel est votre chiffre porte-bonheur? Il est où? Auvergnate? Peut-être. Peut-être. Non, parce que vous la regardez fixement, donc on imagine que c'est là-bas que ça se passe. Pourquoi le 22? Le 22, parce que j'ai rencontré mon ami le 22 et parce qu'il est auvergnat en plus, donc c'est... Donc je suis vraiment attirée par cette boîte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou on l'échange? On la change. Vous êtes sûr? Oui. Je la pose. Oui ou non? Non. Vous êtes sûr? Oui. Je vais changer en fait et je vais prendre la 17. Très bien. Vous êtes sûr? On peut toutes les faire, hein. Non, je vais... la 17. Alors, le 22, c'est la date de l'amour. Et la 17, c'est quoi? C'est le jour de naissance de mon petit frère. D'accord. Vous êtes sûr? Oui.
j'espère que c'est pas pour moi que vous avez changé la boîte. Moi, c'est pour plaisanter que je dis, vous êtes sûr, hein? On va voir ce qu'il y avait dans la boîte? Non. Non? Comment ça, non? Regarde-moi cette sadique. Il y a des millions de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle a échangé? Oui, moi aussi, mais pas tout de suite. Pourquoi? Vous êtes sûr? C'est vrai qu'elle m'a quand même porté change jusqu'à maintenant. Ah, vous... elle est capable de nous la récupérer? Peut-être. 32,81 ou par SMS, en envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre candidate. Vous ne rêvez pas sur votre téléviseur, ce n'est pas une caméra cachée. Il y a bien évidemment des sommes surréalistes. Ce soir, nous allons certainement faire péter le standard de TF1. 250 000 euros, 500 000 euros, 630 000 euros. Et c'est 5 euros qui nous narquent, qu'il va falloir se débarrasser très 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 vite. Ce que je vous propose... c'est le temps pour vous de téléphoner et de participer à ce tirage au sort qui, à la clé, devrait faire exploser les compteurs ce soir. Je vous invite à marquer une courte page de réclame avec Emmanuel. Nous tenterons de repartir pour la première fois, ça serait historique, avec 630 000 euros, près de 4 millions de francs. Buvez un peu d'eau, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Ce soir est un soir béni des dieux pour l'instant, puisque Emmanuel, faites coucou à nos téléspectateurs, à votre famille, à votre fiancé, à vos parents, à vos proches, aux gens que vous aimez et qui vous aiment, et qui ont tous les doigts croisés pour l'encourager. Eh oui, parce que quand même, ce tirage est exceptionnel. À part ces 5 euros qui nous narguent, il y a 2, 4, 6, 7 boîtes. Une chance sur 7 d'avoir la boîte Joker nouvelle venue, 630, ou un demi-million d'euros. Oh, que un demi-million d'euros. Ou 250 000 euros. Vous allez m'ouvrir 3 boîtes avant le prochain coup de fil du banquier. Faites-moi plaisir. Allons dans le bleu. Je rappelle qu'avant les publicités, vous avez changé votre boîte numéro 20 et que vous ne voulez toujours pas l'ouvrir pour nous agacer. Où va-t-on? La 2 Bretagne. Le Breton. Bonsoir, ça va, mon garçon? Arthur. Très bien. On y va. Ce tirage. Vous voyez dans les boîtes ou quoi? J'aimerais bien. Regardez, il reste 10 000, 20 000, 50 000, 250 000. Alors, vous savez quoi? C'est la première fois depuis que j'anime cette émission que je vais dire à un candidat, virez-moi la boîte à 10 000 euros. Virez-moi 10 000 euros. Allez, venez, on balance 10 000 euros par les fenêtres. C'est la fête. La 15 PACA. La PACATE. Bonsoir. Ça va, mademoiselle? Vous êtes jolie. Une chanson peut-être avant? Ah, ce soir, je vais avoir du mal parce que j'ai mon corset qui me serre très fort. Et... vous avez votre quoi? Faites voir, pousser la boîte. J'ai du mal à respirer. Mais je vais vous le dégrafer, ça va aller. Pourquoi vous l'avez serré si fort? Bah, disons qu'on m'a aidé et voilà. C'est bien, ça vous fait un très joli galbe. Hein. Mais attention, hein, quand vous allez l'ouvrir, ça va faire comme les muffins. Hein. Pouf, pouf. Tout va partir. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Gentil, merci. Virez-moi 10 000 euros qu'on en finisse. Une chance sur 5 d'avoir 630 000 euros, 500 000, 250 000, 50 000 et 20 000 euros. Alors on va se calmer, on va redevenir raisonnable, parce que ce soir au minimum, vous avez gagné 20 000 euros. Et là, au 32,81 et par SMS, ça doit être la folie, parce que les gens ont compris que ce soir, il y a quelque chose de magique sur ce plateau. Alors je vais dire ce que je n'ai jamais osé dire dans ma vie, j'ai un peu honte. Virez-moi ces 20 000 euros. On va se retrouver 500 000 ou 630 000. La passion ou la raison. Allez, on y va. La 10 pays de la Loire. Attendez, je vais regarder quand même juste pour le plaisir. Ça va? Ça va super. C'est la nouvelle venue, elle aussi. Vous avez beaucoup de pression ce soir, ouvrez-moi cette boîte. S'il y a 20 000 euros, je demande une enquête du FBI. C'est pas 20 000, c'est 12 fois plus.
250 000 euros. C'est mathématique, mademoiselle. J'ai envie de dire, tant mieux. 4 boîtes. Mais regardez ce tirage. Vous savez qu'à l'écran, il n'y a que des énormes sommes. Enfin, c'est le paradis. Oui, allô? Comment ça va, monsieur le banquier? Préparez le stylo, le chéquier. Vous allez casquer, vous allez casquer. J'écoute votre proposition. Très bien. Merci. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte contre la somme de 150 000 euros. À prendre ou à laisser. C'est de l'argent, hein. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est énorme. C'est un nouveau départ. En plus, ça me permettrait de rembourser mes crédits et c'est exactement la somme que je voulais. 150 000 euros, c'était votre rêve. Ouais. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi il me propose autant d'argent? Ouais. Pourquoi le banquier si radin, si pingre, lâche un chèque de 150 000 euros à 4 boîtes de la ligne d'arrivée? Je sais ce que vous vous dites aussi. Vous vous dites tant que la boîte à 500 000 n'est pas tombée et vous rajoutez ce soir tant que la boîte à 630 000 n'est pas tombée. Alors, je vais vous dire quelque chose, mademoiselle. À ce stade du jeu, vous êtes la seule, même si le public aimerait vous encourager, à pouvoir prendre cette décision. Mais écoutez-moi bien. Au minimum, c'est 20 000 euros. Quoi qu'il arrive, vous ne repartirez pas les mains vides et 20 000 euros, c'est une somme. Avez-vous la jeunesse, la folie, la passion, le courage, l'insouciance de refuser 150 000 euros? Réfléchissez bien. C'est un choix cornélien, mais quel choix? Qu'est-ce qu'il dirait, papa? C'est vrai que 150 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est très long à gagner et c'est génial, mais c'est vrai qu'il est très joueur. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent la télévision là et qui sont en train de faire une dépression nerveuse quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va partager l'argent avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui dit « Accepte, je prends la moitié de 150 000, c'est déjà bien. C'est déjà bien, pour un SMS, je prends la moitié de 150 000. » Mais il y en a qui se disent « Quitte à jouer, quitte à être sélectionné, autant repartir avec la moitié de 630. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arthur, c'est beaucoup d'argent, mais je vais quand même continuer parce que je m'en voudrais de ne pas être allé jusqu'au bout. C'est votre décision. Une fois. Deux fois, trois fois. Vous êtes consciente que vous venez de balayer d'un revers un chèque de 150 000 euros? Un million de francs. Alors, si on fait le pire des scénarios, vous aurez au minimum 20 000 euros, mais combien de regrets? Beaucoup, beaucoup. Alors virez-moi, madame qui voyait à travers les boîtes, virez-moi cette boîte à 20 000 euros. Je vois la 7, la Corse. Mon ami Corse. On y va. Bonne chance, mademoiselle. Vous allez nous tuer ce soir. Non mais vous êtes conscient que c'est la première fois dans l'émission qu'on est content quand on ouvre la boîte à 50 000? Virez-moi ces 20 000 euros.
20, 22. 22, le chiffre de l'amour. 20, la boîte que vous aviez au début de la partie. Qui a 20 000 euros? 17, 20 ou 22? Je vais ouvrir la boîte numéro 20, la Bourgogne. Oh mon Dieu, je vais tomber par terre, hein, je vous jure. Ça, c'est la boîte que vous aviez au début de la partie que vous avez échangée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On y va? On est parti. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Vous vous souvenez que c'était votre boîte et que vous l'avez échangée sur un coup de tête? Vous vous souvenez que vous avez refusé 150 000 euros? Au début de cette partie, mademoiselle, en face de vous, vous aviez 500 000 euros. Et là, c'est un cauchemar. Avez-vous échangé une boîte qui contenait 500 000 euros contre 630 000 euros ou 20 000 euros? Et là, je l'entends, cette voix qui dit « Pourquoi j'ai refusé 150 000 ?» Allô? Oh non, pas ça. Un échange de boîte. Échange de boîte. Échange de boîte. Alors là, je vais vous dire franchement, je suis totalement brouillé. Vous avez 20 000 ou 630 000. Vous avez gardé jusqu'à la dernière minute de cette émission la boîte numéro 22 qui correspond... Au jour où j'ai rencontré Franck et, l'homme de votre et en vie. Plus à sa région. Pourquoi nous a-t-il proposé autant d'argent tout à l'heure? Il a vu que l'argent n'était pas un problème à ce stade du jeu car vous étiez motivé à aller jusqu'au bout. Et là, maintenant, il vous propose de l'échanger. Tous les moyens sont bons pour que cette boîte disparaisse de la table devant vous. Si vous pensez qu'il y a 630 000 euros, alors il faut la garder. Sinon, pas d'hésitation. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Je sais juste que ce soir, il y a des millions de téléspectateurs, vos amis, votre famille et un candidat, un téléspectateur qui a joué, qui se pose la même question. Où est la boîte Joker? Pour la première fois depuis le début de l'émission, depuis la création de ce jeu, c'est la première fois qu'on a 600 000 euros en fin de partie. 630 000 exactement, 4 millions. Il faut prendre une décision. On la garde ou on l'échange? On l'échange ou on la garde? Elle tremble de partout. Reste avec nous, hein. En cas de problème, je peux réanimer. Hein. Massage pulmonaire, réanimation buccale. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, le banquier va appeler. Donc, je sais que c'est terrible pour vous, c'est une grosse décision. Personne ne vous a vu, personne n'ose vous aider. C'est normal, ils respectent. On ne veut pas vous influencer dans un sens comme un autre. Je vais garder ma boîte. C'est vous qui décidez. Une fois... Deux fois, trois fois, je garde ma boîte. Mademoiselle, je vais vous faire une petite bise. Et nous retiendrons de vous que vous avez été probablement, jusqu'à ce stade du jeu, la candidate la plus incroyable. Vous allez nous manquer, je vous souhaite beaucoup d'amour. Depuis le début de la partie, personne ne sait, à part Jean-Louis et le chacal, ce qu'il y a dans les boîtes. Je voudrais pas être cruel. Mais je me dois de vous rappeler que vous avez refusé 150 000 euros. Mais soyons positifs, parce que moi je veux qu'on fasse 630 000 euros. Je veux qu'on fasse exploser le compteur et que nous passons la barre des 20 millions d'euros ce soir. Alors moi aussi, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, je vais croiser les doigts pour vous. Parce qu'on joue ensemble ce soir. Jeune, vous êtes charmante, tout le monde est stressé, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Ce soir, vous aviez démarré la partie avec une boîte à 500 000 que vous avez échangée. Vous avez refusé 150 000 euros. Il y aura une nouvelle expression dans cette émission. On dira désormais têtu.
têtu comme Emmanuel. Je suis désolé. Il y avait 20 000 euros dans votre boîte. Vous ne repartez pas bredouille, 20 000 euros. C'est de l'argent, tout le monde est très déçu. On avait envie d'exploser de joie, on a préparé les confettis. Pas de long discours, juste un nom qui apparaît à l'écran. Celui du candidat. Il va partager les gains avec vous. La partie et la revanche est sur TF1.fr. C'est à prendre ou à laisser, le jeu qui nous a fait rêver jusqu'à 10 secondes de la fin de l'émission. Mais vous en connaissez le scénario. On se retrouve demain. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Embrassez tout le monde pour nous. Allez, salut vos amis.